Salut à tous, c'est Linkos, bienvenue dans ce 9e épisode de Breath of Fire. Dans le dernier épisode, nous avions visité un donjon, avec Nina et les deux soldats. Malheureusement, Nina s'est fait capturer par le sorcier qui était sûrement de mèche avec les dragons noirs. Et les deux soldats se sont enfuis, ils ont eu le temps de prendre la poudre d'escampette pour prévenir Ryu, en fait, pour savoir s'il pouvait nous venir en aide. Du coup, on le contrôle à nouveau, et notre objectif maintenant, c'est de sauver Nina, de sauver le roi, de sauver le royaume, tout. Bref, c'est parti, là, on s'était arrêté là, il y a plein de soldats, ailés. Ça doit être notre race. Donc, c'est parti, alors. Notre plan est de prendre d'assaut K.U.E.A. Allons-y! D'accord, il dit la même chose. Tout le monde dit la même chose? On vérifie quand même. J'espère que cette série vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à laisser un pouce bleu. Ça sera plus rapide. Et c'est facile. Monte derrière moi, je vais te faire un peu de chemin. Ah ouais! Ah mais c'est stylé! Ah ok, au moins on fait pas tout le tour. Ouh là là! Volons! Et nous revoici ici. Guerrier, aidez la princesse. Nous combattrons les forces du sorcier. Ah, il est avec nous? Ça peut nous aider, mine de rien. Bon, je regarde. Bon, il n'y a rien qui améliore. Mais on peut-être lui mettre des objets. Mais on dirait pas, en fait. Bon, bref. Allez, c'est parti. Il est au niveau 8, nous on y est au niveau 9. On va déjà sauvegarder. Oui. Voilà, quelquefois si on perdrait, on pourrait recommencer. Alors, c'est ici. J'espère que ça va le faire. Il faut encore descendre. Bon, il n'y a pas d'ennemis, bizarrement. Ah si, quand même. Eh bien, écoutez, on spam. Ah, ça fait du bien de recontrôler Ryu. Poison. Bon, sur le soldat, soit. Tant que ce n'est pas sur Ryu. Oh, super, il a perdu ça. Par contre, il faut soigner avec une antidote. Ce soldat, voilà. Et le gaz qui est nuisible au clan des alliés, au clan des ailés est en dessous. Je ne peux pas y aller. Les soldats te quittent. Fais attention, ouais, bref. Et nous, on y résiste, ah oui. Donc, on va voir le sorcier. Je regarde s'il y a quelque chose. Oh, vous avez vu cet ennemi? Ah ouais, quand même, les points d'expérience, ça y va. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose. Eh, on a bien fait, Une pièce déclenche, Oh! Ah d'accord. Ok. Attaque... ok. C'est une armure. Mouais. On va garder ça. C'est quand même bizarre ce bug. Avec l'attaque à 231. Allez, on attaque. Est-ce qu'ils nous font des dégâts? Ok.
Un petit peu. Ah ouais, quand même, les points d'expérience, ça y va. Époque un peu. Bon. Un guerrier du clan Dragon, le gaz Xéon ne te fera aucun effet. Mais tu connaîtras bientôt la puissance de mes pouvoirs magiques. Eh oui, nous, on est spéciaux. Hein. Enfin, on est spécial. On fait partie des clans Dragon, mais sur nous, le poison n'a aucun effet. Allez, c'est parti! J'espère que ça va bien se passer. Statue. Ouh là 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 là. Ah ouais, pas mal. Tonnerre, ok. Ok, il résiste. Ça doit être sa résistance extrême à mon avis. Donc par contre, on va utiliser une petite herbe pour ce... Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Je croyais que j'avais mis... que je l'avais soigné. Bon là, on lui porte le... assaigne le coup de grâce. Ouais, 1300 points d'expérience. Le niveau 10. Ah, ça fait plaisir. Argh! J'étais si près de perfectionner la potion de la vie éternelle. Ah, tu reçois. Ah, à mon avis, ça sert pour soigner le roi, non? Je me trompe. Merci. Nina prend et Ryu la ramène à l'étage. Ah, d'accord, c'est le narrateur. Je ne sais pas ce que nous serions devenus si nous n'étions pas venus ici. Maintenant, c'est fini. Et nous pouvons retourner au château. Merci pour tout, Yoriu. Viens, je te donnerai un présent. Très très bien. Ok, fais un petit tour. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, on admire la cinématique. C'était un petit peu perdu, hein. Père! La princesse Nina est partie voir le roi. Eh bien écoutez, nous allons le voir aussi. C'était le brave Ryu qui a sauvé Nina. Bah écoutez, c'est bien tout ça. Par contre, il est à l'étage, le roi. On va lui parler et je vous rappelle que c'est lui qui nous donne l'autorisation de partir plus loin. Je crois, hein. C'était... oui, mais attendez, c'est pas ici, il me semble. Il est pas sur son trône? Il doit être encore au lit. À mon avis, ça doit être ça. Ah, regardez, regardez. Ouais, sinon, on est au niveau 10, hein. Mine de rien, on commence à augmenter. Ça fait plaisir de voir s'ajouter une petite dizaine. Bref, bref. Ryu. Merci d'aider la princesse. Maintenant, ma seule occupation est le roi. Ryu, ok. Qu'est-ce qu'elle dit, Nina? Ryu, le remède ne semble pas agir. Sommes-nous arrivés trop tard? Je commence à me sentir mieux. J'irai bien. Waouh, hey, calme-toi, le roi! Je me sens beaucoup mieux. Merci Ryu, tu as sauvé mon père. Donc tu es le guerrier qui m'a sauvé. Que puis-je t'offrir en retour? Bien, il y a une chose. Tu souhaites utiliser le tunnel? Est-ce tout? Tu peux m'en demander plus. Ryu, j'aimerais me joindre à ta quête. Comme par hasard. Ne viens pas, Nina. Tu me ralentirais seulement.
N'est-il pas vrai, Ryu ? J'ai pris ma décision. Nous ne pouvons pas ignorer le pouvoir de Zog. Je viens. Si c'est si important pour toi, tu as ma permission. Sois prudente. Et voilà. Nina se joint à Ryu. Ça, c'est classe. Et voilà. Nous avons nos deux compères. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ah, je suis content. En tout cas, je suis très content qu'ils se joignent à nous. Allez, c'est parti. Par contre, par où on sort ? On en a fini enfin avec cette petite quête du sorcier. On l'a vaincu. Et maintenant, nous allons pouvoir explorer de nouvelles choses. Alors, par contre, est-ce qu'on peut à nous acheter de nouvelles armes ? Enfin, armure, tout ça, vous comprenez. Alors, on a 1140. Je regarde. Alors, si on lui équipe ça, elle. Quoi ? Ouais. Attendez, j'ai envie d'essayer. Je suis désolé, mais en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'essayer. Et du coup, elle peut plus s'équiper de rien. Bah, c'est malin. De 46, elle passe à 47. Et ça, elle peut pas. Écoutez, on va s'acheter. On en a déjà un de ça, non ? Écoutez, on va voir. C'est casque d'aim, ça s'appelle. Ah oui. Ah, regardez. Ouais, mais notre magie sera moins puissante. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Mais par contre... Hop. Bon. Ok, la magie et autre chose, ça baisse. Mais pas la défense. On va voir ce que ça va donner, écoutez. Hein. On verra bien. Mais c'est quand même bizarre. Hein. Moi, je me demande si c'est pas un bug d'affichage. Ah, aussi, ici. Alors. On va racheter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et le reste de notre argent, nous allons le déposer. Tout simplement. Si nous devons en reprendre, nous en reprendrons. Ah non, ça c'est retiré. Ouais, déposé. 269, tout simplement, voilà. On n'a plus rien. Et c'est comme ça. Et vous avez vu, le bonhomme, il nous faisait un petit cœur. On va re-sauvegarder. Même si, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Et maintenant, nous pouvons entrer dans le tunnel. Et ça, c'est bien. Nina a été autorisée parce que, bon, princesse et roi, Osef, quoi. Et maintenant, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. Alors, c'est parti. On a notre guerrier dragon. Et notre healeuse. Allez. J'espère que ça va bien se passer. Bah, en fait, là... On n'a qu'à suivre le chemin. Parce qu'on avait déjà fait ça dans le... dans un épisode précédent. Oh. Eh bien, c'est parti pour tester... Vraiment l'attaque de Nina pour voir... Eh ben, ça fait mal. Ça a l'air d'être vrai, en tout cas. Hein. Ah, j'aurais pu soigner Ryu dans l'auberge. Bon, ce n'est pas très grave.
Ok, bon. Ça va, c'est linéaire. Hein. Allez, on continue. J'espère que Nina va pas tarder à monter au niveau... Au niveau combien? Au niveau... 8? Ah, seulement, hein. C'est un peu long, quand même. 9e épisode, bon. On est qu'au niveau entre 7 et 10. Bon. Je dis ça, je dis rien, mais quand même... Ok, 27 points d'expérience, un petit peu d'argent, c'est très bien. Et là, j'ai l'impression qu'on va bientôt sortir. Et là, c'était un coffre, ok, ouais. Allez, on était presque sortis, là. Bon, ce n'est pas grave. Hop, prends-toi ça. Toi, tu te prends ça aussi. Ça. Ok, très bien. Et maintenant, on n'a plus qu'à sortir par ici. Et voilà. Après. En fait, on est obligé de tout refaire. Bon, bah c'est pas grave, mais quand même. Alors, 60. Bon, allez, on va se reposer. Même si ça ne sert pas à grand chose en fait. Êtes-vous satisfait du séjour? Bah oui, hein. Oh. Par contre, je ne sais pas où il faut aller. Ok, lui il dort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous renseigner? Les filles sont libres, quel soulagement. Quel soulagement. Ah oui! Oui. Les filles, enfin, en fait, c'est celles qu'il y avait dans le donjon. Ouais, voilà, bah là. Mon ami parti que pense que j'étais parti avec un autre type, il ne me fait pas confiance. Ah, bah oui, c'est stupide, hein. Eh, ouais. Bref. Toi, c'était qui? Je me demande si la vieille femme a vraiment... Une jarre qui peut contenir beaucoup d'eau. La vieille femme? Alors ici, c'est la même chose. Du coup, on aura récupéré un petit peu. Bon, bah écoutez. On va acheter ça en... C'est quoi, ça? C'est la même chose. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Oh là là. Ouais, mais nous, on va acheter ça. Voilà. Plus d'argent, encore une fois. On est pauvre. C'est super. Par contre, est-ce qu'on peut acheter des choses ici? Est-ce qu'on pouvait? Ah ouais. Oh là 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 là. On a l'air d'être assez pauvre. Hein. En tout cas... je ne pense pas que nous pouvons le faire. De quoi elle parle? Et ici déjà, qu'est-ce que c'est? Y a rien. Ah mais attendez, je vais tester quelque chose. Ah, ouais, ok. Ouais, on peut changer de place hein, si on veut. Eh oui. Ok. Bon, on va... Attendez. Si on va par là... D'accord, ça donne ça. Ouais, je ne sais pas trop où aller. On peut pas aller par là. Et il n'y avait pas un passage vers le nord? J'ai pas... Je ne suis pas allé tout au nord non plus, mais apparemment, il n'y a rien. Est-ce que j'avais visité toutes les maisons? Je ne crois pas. Hein. Alors ici, lui, il dort. Oh là là, c'est quand même triste, hein, comme... Et regardez. Zzz.
Bon, on va finir cet épisode en retraversant le bois. Attendez, parce que là, je sais pas trop quoi faire. On peut vraiment pas. Attendez, et si je mets Nina vraiment en premier, qu'est-ce que ça fait? Elle n'a pas des pouvoirs spéciaux? Oh non. Hein. Bon, soit. Écoutez, on va traverser vite fait. Ah bah, des ennemis. Oh, il doit y avoir autre chose, à mon avis. Je l'espère. Bon, on va voir. On va voir. S'il n'y a rien au bout de cette forêt, bah on s'arrêtera là, hein, écoutez. Enfin, dans tous les cas, on s'arrêtera lorsqu'on aura traversé la forêt. Tout simplement. Et il y a peut-être des trésors que l'on a ratés. Ah bah, genre lui. D'accord, on avait raté ça. Non mais je n'ai pas honte, dit. Allez, Nino qui fait énormément de dégâts. Oh, ça nous permet d'XP en même temps. Ok, on prend ça, et eh bien c'est toujours intéressant. Bon, par contre, hein, les ennemis, pff, ça pop à la chaîne. Oh, il a perdu. Oh, attendez, là, il a perdu quelque chose. Quoi? On ne sait pas, mais il a perdu ça. Ok, je peux utiliser cet objet durant un combat. Ok, on le saura. Bon. On va aller à gauche après. Ok, très bien. Alors, après, par là. Je ne sais pas où je me dirige, hein. Honnêtement. Ok, c'est pas par là. Et là. Nous sommes sortis. Ah ouais, on est sortis. Mais en fait, à quoi ça sert de venir? Ouais, ça sert pas à grand chose. Hein. On peut rien faire. Ouais, ça, on va pas refaire le donjon. Ah non, on l'a déjà fait. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère quand même qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter. On se retrouvera pour le 10e épisode. Bye tout le monde.